J'en ai marre de tout ça. J'aimerais tellement pouvoir aller à la plage là tout de suite, au lieu de tout ça. Excusez-moi, Madame Miller. J'ai besoin de votre signature sur le rapport annuel. Oh, encore tous ces rapports. C'est la même chose tous les jours. J'ai une idée. À partir de maintenant, ce sera toi, la directrice de l'orphelinat. Et je vais partir en voyage autour du monde. Bonne chance et au revoir. J'arrive pas à y croire. J'ai enfin de la chance. Très bien, les enfants. Je suis votre nouvelle directrice. Maman a tellement de choses à faire maintenant. Va jouer avec quelqu'un d'autre. Oh, à qui je vais demander? Salut. Tu veux jouer? Je crois pas, non. Jessica, s'il te plaît. Me touche pas. Allez. Pourquoi t'es si méchante? Et cette fille bizarre, c'est Jessica. J'adore l'embêter. Hé, rends-moi Teddy. Il est à moi. Pas question. Je l'aime bien, moi aussi. Prends-le-moi tout de suite. Aouh! C'était quoi? Oh oh! On dirait qu'on va avoir des ennuis. Qui a fait ça, hein? Dites-le-moi. Maman, c'était Jessica. Jeune fille, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non! Vous vous trompez! T'es punie. Et plus de jouets. Oh, maman! Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Et ouais, je suis une mauvaise fille. Parfois, je remarque même pas Jessica. Kylie? C'est toi? Incroyable! Réveille-toi, la marmotte! Quoi maintenant? Je vais te montrer. Épelle ça. Jessica! Maman! J'arrive, chérie! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai rien à voir avec ça. Jessica a pris mon lit. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui va pas avec ton lit? Oh non! Je dormirai pas là-dessus. Viens avec moi. J'espère que celui-ci te plaît. Une chambre privée. Comme tu voulais. Dormir dans la salle de bain, c'est pas ce qu'il y a de pire. Qui a allumé l'eau? Jessica, hein, comme par hasard. Encore toi. Tu te moques de moi? Je me suis juste téléportée. Je déteste cet endroit. Oh! Coucou, monsieur Teddy. On va jouer au chat. Hé, donne-moi mon nounours. Ciao, loseuse. C'est mieux comme ça. Et prends ton livre avec toi. Le concours de cuisine bat son plein. Jessica et Kylie sont les principales candidates de cette compétition. Et il y en a une qui a choisi la facilité. Mais en fait, c'est pas si simple. Mais la grande chef est à l'œuvre. Jessica est née avec un fouet à la main. Ouf! Mais Kylie est clairement allergique à ces trucs-là. Un cœur en bout de pain contre une tarte à la crème. Qui sera la meilleure pâtissière? Oh oh! Il y en a une qui a oublié de garder la cuisine bien propre. Wow! Mais regardez ce chef-d'œuvre en pain! T'as tellement de talent! Et si on goûtait? D'abord, nettoie le comptoir. On dirait que la gagnante l'a remporté haut la main. Et ouais! Il y a des avantages quand notre maman est la directrice de l'orphelinat. Jessica a un délicieux trésor dans les mains. Où je vais cacher ça? Personne ne vous trouvera ici. Oh, des bons becs? C'est mon jour de chance. Génial. Et ça maintenant? Les cacher sous le tapis? Pourquoi pas? Très intéressant. Et ça, ce sera pour les mauvais jours. Désolée de t'interrompre, mais la directrice te cherche. Bye bye! Ça aurait été stupide de pas en profiter. Ah, ça suffit, j'en peux plus. Je vais exploser. Oh non! Tous ces emballages, c'est un mauvais signe. Qu'est-ce que t'as fait, Kylie? Je sais pas du tout de quoi tu parles. C'était mes provisions pour la semaine. Oh! Trop de sucre, c'est pas bon pour toi.
Silence! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici encore? Qu'est-ce que je vois là, Jessica? La première règle à l'orphelinat, c'est pas de bonbons. Exactement! Tu devrais avoir honte de toi, Jessica. Bébé, pourquoi t'es sale comme ça? Waouh, c'est quoi toutes ces bonnes choses ici? Ça a l'air délicieux. Oh! Intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Une génoise à la crème. Je vais y goûter, rien qu'une goutte. Parfait! Comment y résister? Mais il y a un petit souci. Kylie, j'ai une surprise pour toi. Oh non! Maintenant, je fais quoi? Réfléchis, Jessica, réfléchis! Ouvre les yeux! Waouh, est-ce que tout ça, c'est pour moi? Ça marche pas! Oups! Faut que je file d'ici! Oh. Voilà ton gâteau d'anniversaire! Oh oh! C'est une blague? Je mangerai pas ça! Mais je comprends pas! Tiens, bébé, fais-toi plaisir! La charité, c'est merveilleux! Aujourd'hui, les enfants vont pouvoir changer leur garde-robe. Jessica est trop contente. Mais Kylie, pas vraiment. Maman, tu vas m'acheter une nouvelle robe, hein? Regarde dans mon portefeuille. Mais il n'y a pas un centime là-dedans. Maman, c'est pas juste! Utilise les affaires dans le panier. Je veux pas! Jeune femme, on ne répond pas. Jessica se sent comme une princesse dans sa nouvelle robe. Sérieux? Elle a eu ça où, elle? Je peux en trouver une 100 fois mieux. Oh non, il n'y a que des loques là-dedans. Et parfois, tout ce qu'on veut, c'est s'amuser. Hey, coloc, tu veux faire la fête? Danser avec un casque, c'est stupide. J'ai une meilleure idée. Ça marche. Rien ne peut troubler la tranquillité de Madame Maeve. Ou presque rien. T'es un génie, Kylie! Je sais, hein? Ça peut être mon imagination. Oh, c'est ma chanson préférée! Vas-y, Jess, monte le son! Encore un peu et... Ça suffit, stop! On s'éclate, non? Les gars, ceci n'est pas un exercice. Explique-toi! C'était elle! Jessica! Oh oh, je suis pas là! Et voilà, Jessica est à nouveau punie. Et Kylie a d'autres chats à fouetter. Inutile de dire qu'on n'aime pas beaucoup partager. Et il ne s'agit pas seulement de nos affaires. Ce nouveau mec est trop canon! On dirait que c'est le coup de foudre. Mais malheureusement, il a été adopté vachement trop vite. Adam, voici ta nouvelle maman et ton nouveau papa. Oh zut! Les plus beaux restent jamais à l'orphelinat. L'orphelinat suit ses propres règles. Arrête-toi là! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu partagerais pas ton jouet avec nous? Hé, laissez-moi tranquille! Oh non! Je vais encore devoir m'occuper de ça! Prends ça! Aou! Quelle fille maladroite! On se tire! On s'en est pas bien sorti. C'est pour toi. Quelle bonne odeur. Tout le monde, à table. Je peux en avoir, Madame Maeve? Désolée, bébé, y a plus rien. Mais j'ai super faim. Dans ce cas, mange une pomme. Maman, je suis là. Va t'asseoir à table. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mange, mon trésor. Miss Maeve gâte tellement Kylie. J'aimerais tellement avoir une maman. Évidemment, je suis pas sans cœur. Tiens, c'est pour toi. Oh la vache! Merci, Kylie. Oh, c'est trop mignon. Je suis fière de toi, ma chérie. Et parfois, ça détend de faire une bonne blague. Tout se passe comme prévu. Je suis tellement rusée. Je vais ajouter la coloration. Maintenant, Jessica va ressembler à un schtroumpf. Faut que je file d'ici. Oh, sympa cette couleur. Quoi?
Kylie ? Vous inquiétez pas, Jessica est une enfant parfaite. Kylie ! J'ai pas raison. C'est elle votre enfant parfaite ? On est désolé. No. On refuse d'adopter cette fille. Méchante Kylie, tout ça c'est de sa faute. Oh. Au revoir Madame Maeve. Arrêtez ! Maman, c'est ma faute. C'était pas la faute de Jessica. C'est vrai. Attendez, vous faites une grosse erreur. C'est vraiment une enfant merveilleuse. Vous allez pas le regretter. Bon bah, si t'es sûre. Très bien. Jessica, tu viens avec nous. C'est génial de voir Jessica avoir sa propre famille.